On a tous une personne qui changera le parcours de notre vie, pour le meilleur ou pour le pire. Quand t'as de la chance, comme moi, tu rencontres une douce petite fleur qui t'ouvre les yeux sur les petits trésors cachés de l'univers. Si tu veux simplement partager une pensée, un secret, elle saura toujours tendre une oreille sans jugement. Quand ta vie bascule, tu t'accroches à cette personne et essaie de te redonner l'équilibre. Cette personne-là, pour moi, c'est ma grand-mère, Marguerite. C'est avec elle que j'ai grandi, c'est avec elle que j'ai appris. Je sais pas ce que je vais faire lorsqu'elle va s'envoler vers le ciel, mais pour l'instant, je vais simplement entrer. Cela fait maintenant un mois que ma grand-mère nous a quittés. J'ai réussi à m'en remettre petit à petit, et après de longues heures de réflexion, surtout après ce qui s'était passé ce jour-là à l'hôpital, j'ai finalement compris le message que ma grand-mère avait voulu me laisser avant qu'elle parte. J'ai contemplé la cuillère qu'elle m'avait tendue, et j'ai vu. J'ai vu que la chose la plus importante au monde, ce n'est pas d'être l'homme le plus riche, ni d'avoir la plus belle maison, ou la plus belle voiture. Non. En fait, l'important, c'est d'être capable d'apprécier les petits trésors que la vie nous fait à chaque jour. De la coutellerie dans une petite boîte. Ça veut rien dire, mais en même temps, pour moi, jeune enfant, c'était ce que j'avais de plus précieux. C'est ça que ma grand-mère voulait enfin que je comprenne. Elle doit être si heureuse là-haut à regarder son petit-fils aller. Merci, grand-maman. Merci pour tout. Tu as changé ma vie. Je t'aime.